Salut, salut, c'est Paul. Je te retrouve ce soir pour une vidéo lecture. Je vais te lire des petites histoires japonaises assez courtes à chaque fois. Donc j'espère que tu vas arriver à apprécier tout ça. On va commencer couché. Apparut. La renarde se planta d'une façon doucement affaiblie.
Chalali près de lui et, avec un subtil sourire, insinuant « Seigneur Bonze, où portez-vous vos pas? Je vais de l'autre côté du mont. Vraiment, parfait, moi aussi je me dirige dans cette direction. Comme j'avais peur d'y aller seul, j'attendais quelqu'un qui m'accompagne. » Le Bonze, entraîné aux ascèses les plus complètes, comprit aussitôt qu'il avait affaire à une renarde métamorphosée. Il rugit. Ah, voilà une renarde, je ne me laisserai pas duper. Surprise par la voix de tonnerre du Bonze, la renarde, en tombant sur les genoux, s'assit sur place. Elle avait trompé des dizaines et des centaines de gens. Pour la première fois, on reconnaissait son déguisement. Le Bonze se dit qu'il fallait en finir avec les espiègleries de cette renarde. Eh bien, tu es bien vieille maintenant, tu ne récites plus tes coups. Vois mon fichu magique. Avec lui, en plein jour, on peut se transformer de 7 à 10 fois même. La renarde eut envie d'acquérir un tel fichu. Le Bonze le lui promit en échange de sa peau de métamorphose. Elle acquit ainsi le fichu du Bonze. Un bon matin tiède de printemps, elle se montra avec le fichu sur la tête en pleine ville de Yokkaichi. Les gens se gaussèrent d'elle. Tout le monde éclatait de rire en la voyant. Les gamins se mirent à poursuivre la vieille renarde qui se carapata dans la montagne. Le Bonze du Zendokuji, de son côté, avait acquis la peau de métamorphose, mais elle n'agissait plus. Voilà. Donc en fait, les mots, c'est des expressions en japonais, mais on ne sert à rien de les lire parce qu'on comprend rien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va. Qu'est-ce qu'on peut. Ah! Ça s'appelle le corbeau et le hibou. Jadis, le hibou était teinturier. Le corbeau, qui était très élégant et porté sur la parure, vint le voir et lui demanda « Je voudrais une robe couleur de pivert. » Le hibou s'active dans sa teinturerie et quand il est arrivé à mi-travail, ne voilà-t-il pas que le corbeau bat des ailes et change d'avis « Je voudrais une robe couleur de martin pêcheur, bien iridescente. » Le hibou s'active, tant et si bien qu'il ne sait plus très bien où il en est avec ses couleurs, et que, la nuit tombée, le corbeau se retrouve tout noir. Depuis lors, les corbeaux sont noirs. Après, une petite phrase poétique. L'oiseau des marais, au pied de l'arc-en-ciel, danse et bat des ailes. On a d'autres choses comme ça. On a, par exemple, l'origine de la puce. Et du pou. Jadis, une puce et un pou habitaient dans les poutres d'une salle de karaté. On peut pas voir. Voilà, t'as entendu là? C'est suisse de pute de chien. Super. 4h30 du matin, on peut pas être tranquille. On peut jamais être tranquille. Il y a eu du calme pendant 3 heures là que je foutais rien. Et là non. Je couperai pas ça parce que j'ai envie que ça reste naturel. Mais c'est un gros fils de pute. C'est tout ce que je peux te dire. On va recommencer. L'origine de la puce et du pou. Jadis, une puce et un pou habitaient dans les poutres d'une salle de karaté. Ils entendaient les conseils du professeur. Ne buvez pas d'alcool, n'oubliez pas que le karaté est un art de défense, non pas d'attaque.
sobre et se défendant, finit par se battre. Après un long combat, les deux lutteurs sont amochés. C'est depuis ce temps-là que la puce a le dos arqué et que le pouls est rétamé à une tache noire sur le dos. Souvenir d'un gnon de la puce. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Sans faire de bruit.
arrivée à la mare près du portail, elle vit leur reflet dans l'eau. Elle alla prendre un filet et tenta de les pêcher dans la mare. Enfin, elle jeta un coup d'œil en l'air et vit les garçons perchés dans l'arbre. Elle tenta de grimper à l'arbre, glissait toujours. Comment parviendrais-je à grimper à cet arbre? Hurlait-elle. Les garçons avaient si peur qu'ils lui dirent de se ménager des entailles dans le tronc pour se faire des marches. L'ogresse alla dans la remise, prit une faucille, fit des entailles au tronc et y grimpa. Les deux garçons épouvantés prièrent. Dieu du ciel, laissez descendre une chaîne de fer ou quelque chose. Aussitôt, du ciel tomba doucement une chaîne d'or auprès d'eux. Ils la saisirent et grimpèrent. Voyant cela, l'ogresse pria. Dieu du ciel, laissez descendre une chaîne ou une corde. Aussitôt, une corde pourrie tomba près d'elle. Elle saisit la corde pourrie et se mit à grimper. La corde cassa. Elle tomba à terre. En tombant, son sang jaillit et coula sur un plant de sarrasin. C'est pourquoi, de nos jours, les racines de sarrasin sont rouges. Les frères montèrent au ciel. L'aîné devint la lune et le puits né une étoile. Très très joli. J'aime bien le début, ça me fait penser à un conte pareil que j'avais le petit, mais moi c'était avec des petits chèvres, des chèvres, et c'était le loup qui met sa patte blanche. Je sais plus le nom. Moi j'aime bien comme ça. Chaque jour, il le caressait. Toi,
Ce soir, le tigre-loup viendra-t-il? J'ai une de ses frousses. Entendant ces paroles, le tigre-loup, ravi, agitait les oreilles. Un peu comme ça. Sympathique. Alors attends, je vais utiliser le menteur et le panache.
provençal du dit Cumangawa, entre parenthèses, la rivière aux sources, vivait un nommé Makotalo. Il ne croyait pas aux démons, ni aux ogres, ni aux diables, et méprisait les paysans qui y croyaient. Il était enfoui dans les livres qu'il achetait sans répit. Il crânait devant les illettrés. Un jour, il partit dans une région nommée Imazukawala. Le jour baissait. À cet endroit, jadis, on avait cruellement combattu. Des suites de la bataille, de nombreux ossements restaient çà et là dispersés. Le soir venu, pas de gîte où s'arrêter. La pluie se mit à tomber. Notre incroyant s'abrita sous un pin éclair, tonnerre de luire et de gronder. Makotalo fermait les yeux bien fort, se bougeait les oreilles, tremblant de tous ses membres. Enfin, le tonnerre s'apaisa. Notre héros ouvrit immédiatement les yeux. Sur la rive, entre les rochers, un squelette était là, tout blanc, qui se leva, prit forme humaine, fit quelques pas. Makotalo, plus mort que vif, grimpa au sommet du pin. Juché sur la dernière branche, il frissonnait. Finalement, la pluie cessa, la lune parut entre les nuages. Au pied de l'arbre, notre héros put distinguer une forme suspecte. Son corps était vert sombre, il avait deux cornes sur la tête. C'était un redoutable démon. Il clignotait un squelette humain, la tête appuyée contre le tronc du pin. Profitant de ce que l'ogre repu, s'était assoupi. Notre héros prit la poudre d'escampette. L'ogre se réveilla et se lança à sa poursuite. Makotalo, courant à toute vitesse, finit par arriver à un petit temple bouddhique au pied de la montagne. Bouddhiste plutôt, mais là il y a écrit bouddhiste, bouddhique. Il trouva là une grosse statue de Bouddha et par un orifice qui se trouvait dans son dos, y pénétra pour se cacher. L'ogre arriva tout essoufflé. Alla-t-il d'une voix tonnante. Il ne trouva pas son gibier et s'en alla tristement, dépité. Sur ces entrefaites, le Bouddha se mit à tressauter et à se gratter le ventre. « Ah, c'est le repas d'hier soir, » dit-il en riant, à perdre haleine, et marcha, frappant des deux pieds le sol. Makotalo crut sa dernière heure venue. Le Bouddha trébucha sur une marche de l'escalier de devant. Le Bouddha se cassa. Makotalo s'échappa du dos du Bouddha. Non loin de là, il y avait une grande plaine sur laquelle s'agitaient des flammèges rougeâtres. Des voix indistinctes étaient audibles. « Ah, il y a donc des gens par là !» se dit notre héros. Il avança. Oh, horreur ! Autour du feu, un cercle d'ogres chantait, dansait, buvait du saké. Les ogres, apercevant le bonhomme, s'écrièrent. « Chic, voilà de quoi accompagner notre alcool !» Notre héros s'enfuit, trébucha, tomba dans une fosse profonde de 33 mètres. Au fond, des ogres verts, rouges, noirs, s'aperçurent de la chute de notre héros. « Oh, un être bizarre est tombé là, » dirent-ils, et ils riaient en montrant les crocs. « Et toi, approche un peu !» Et ils le saisirent. Ils l'amenèrent devant le roi des ogres. Celui-ci roula des yeux en lui lançant un regard effroyable. « Makotalo, tu prétends qu'il n'existe pas de fantômes, de démons, ni d'ogres en ce monde. Sur les ordres du roi des ogres, les ogres rouges et les verts tourmentèrent notre héros qui suppliait. « Pardonnez-moi, messieurs, au secours !» Le roi des ogres commanda à ses vassaux. « Allongez-le !» Et les ogres firent subir à notre héros une élongation de 3 mètres. Il ne pouvait plus marcher. « Maintenant, rapetissez-le !» Et les ogres le rendirent tout petit, de la taille d'un minuscule pâté. Les ogres et leur roi avaient le fou rire. « Tu as compris maintenant ce qu'est un démon. »« Ce que c'est qu'un démon ?»« Oui, j'ai compris, » dit Makotalo, tout en larmes. « Alors, fais tes excuses. »« Je m'excuse humblement. »« On ne va pas leur envoyer comme ça, sans plus. » L'ogre, rouge, s'enleva une corne de la tête et la lui planta sur la sienne. L'ogre vert dit, « Je vais lui faire des yeux verts. » L'ogre noir dit, « Je vais lui donner des cheveux comme les miens, tout roux. » Et voilà notre héros qui s'en va, enfin libre, mais avec une corne unique sur le crâne, des yeux verts et les cheveux roux. Arrivant au village, personne ne le reconnaît.
Jadis, pourquoi je
Soulagés d'être débarrassés de l'ocre, firent une grande fête